Seigneur, tu es magnifique. Jean, chapitre 8. On connaît tous ces passages. Nous allons lire à partir du verset 31. Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Amen. Amen. Jésus n'a pas dit que si vous demeurez dans l'église locale, vous serez mes disciples. Mais si vous demeurez dans ma parole, Dieu vient chercher ses disciples. Il ne vient pas chercher ceux qui fréquentent les églises. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui fréquentent les églises qui sont disciples du Seigneur. Il ne vient pas chercher les pasteurs. Il vient chercher des disciples qui sont pasteurs. Il a dit qu'il faut demeurer dans sa parole. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas demeurer dans la parole du Seigneur. Ils veulent demeurer dans le Coran. Ils veulent demeurer à côté des pasteurs. Ils veulent demeurer dans leurs églises. Il y a l'évangile du Seigneur, il y a aussi l'évangile des hommes. L'évangile des hommes dit que l'argent sera béni. Non, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Mais tu trompes ta femme, non, le c'est pas grave.
sur le péché, c'est pas grave. On va t'établir diacre ancien. La parole de Dieu te dit, vous les riches, pleurez, parce que votre richesse est pourrie. Votre or est pourri. Le Togo a besoin de la parole de Dieu. Jésus dit, yes, pour être son disciple, il faut demeurer dans sa parole à lui. Ça fait combien d'années que tu fréquentes les églises? Combien d'années? On t'a promis quoi? Le mariage, son épée, le travail, et toi, le visa, un visa, la guérison. Non. La parole des hommes. Alléluia. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, il faut rester dedans. Si vous demeurez dans la parole de Dieu, arrêtez avec les chewing-gums, s'il vous plaît. Si vous demeurez dans la parole de Dieu, les hommes vont vous haïr. Les hommes vont vous détester. Il y a trop le péché dans le monde, dans les églises. Nous vons souffrir les corps sur les corps. Beaucoup de péché. Nous vons souffrir les corps sur les corps. Beaucoup de sorcellerie. C'est un support. Beaucoup de compromission. Je veux te dire ce soir, si tu continues dans la sorcellerie, si tu meurs dans le péché sexuel, tu vas aller à l'enfer. Non, pas pour toi les corps. Je veux te dire ce soir que tu peux mourir maintenant et aller en faire tout de suite. Je veux te dire ce soir que tu n'es pas éternel. On ne se moque pas de Dieu. Non, Dieu est saint. Dieu veut un peuple saint. Je veux te dire ce soir que tu as demeuré dans la parole des hommes. Tu es blessé, tu es déçu. On vous a raconté des histoires. Je vous dis une chose. Donnez-moi un verset où vous avez vu dans la Bible Jésus dire aux gens que le dimanche est le jour du Seigneur. Il y a pas. Donnez-moi un verset. Vous avez vu Jésus-Christ avec un costume et cravate. Donnez-moi un verset. Vous avez vu Jésus avec soutane. Donnez-moi un verset. Vous avez vu Jésus-Christ dans un jet privé. Donnez-moi un verset. Vous avez vu l'apôtre Paul faire des campagnes d'évangélisation avec sa photo. Vous avez vu l'apôtre Pierre ordonner sa femme pasteur. Donnez-moi un verset. Vous avez vu les apôtres dire aux chrétiens de donner l'argent pour construire la maison de Dieu. Nous sommes nous la maison de Dieu. Pasteur sorcier. Pasteur assistant. Pasteur businessman. Pasteur assistant. Église entreprise familiale. Et rame trans sous société. Église de papa et de maman. Et rame trans papa kudo maman toi. Donnez-moi un verset. Où vous avez vu les apôtres être ordonnés avec de l'huile d'onction par les bishops américains. Vous voulez que je parle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous demeurez dans la parole de qui? Okay.
fatigué. Vous avez vu? On a fait les offrandes. On a donné cet argent aux pauvres. Et Jésus dit quoi? Il faut nourrir les pauvres. C'est ça, non? La parole de Dieu dit, quand on fait les offrandes, on doit les donner aux pauvres. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Mais dans la parole des hommes, on fait des offrandes. Le pasteur prend ça et les enfants. Demain, il prend un gros 4x4. Il achète une grande villa. Il était en babouche. Il commence à faire des Jimmy Winston. Et il vous dit, et le premier, que vous êtes pauvre, parce que vous ne donnez pas. Mais il oublie que c'est votre argent qui l'a enrichi. Vous ne voyez pas qu'on vous en fout. Alléluia. Alléluia. Qui veut être disciple de Jésus-Christ de Nazareth? Le dimanche, on va soi-disant à la maison de Dieu. Comment voulez-vous aller à la maison de Dieu alors que c'est vous qui êtes la maison de Dieu? Mais quand on arrive là-dedans, dans ce beau bâtiment, on voit des versets bibliques partout. Sainteté à l'éternel. Il y a un fauteuil en cuir pour l'homme de Dieu. Et vous, vous avez des chaises en plastique. Le pasteur, l'homme de Dieu, a soif. Et le protocole, souvent, c'est des belles femmes, des mini-jupes, lui apporte à boire. Et vous, vous avez soif, on ne peut pas vous donner de l'eau. On dit, demain c'est l'anniversaire de l'homme de Dieu. L'anniversaire de papa. Papa, daddy, daddy, anniversaire. Mais quand est-ce que papa va fêter ton anniversaire à toi? Tiens, ton voisin, c'est des voleurs. Vous avez vu les apôtres fêter l'anniversaire de Jésus-Christ. Vous voulez que je parle? Il dit, vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Vous avez commis l'erreur de venir ici si vous ne voulez pas changer. Parce que ce que vous allez entendre, ça va vous secouer. Des pasteurs se mettent sur, n'est-ce pas, l'estrade devant les frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Pour voir les fesses des femmes avec des pantalons serrés. Parce qu'on a regardé et on a eu le parce qu'on dit bien qu'on a eu le vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Jésus est mort à la croix pour que toi tu sois porteur de Bible. Il y a des sœurs, tu leur demandes c'est quoi ta fonction dans l'église. Moi je balais l'église. Donc Dieu a quitté le ciel, Dieu est venu du ciel juste pour que toi tu sois balayeur d'église. Parce qu'il y a une délivrance.
on essaie de faire marcher les handicapés. Marche! Marche! Et les gens n'arrivent pas à marcher. On dit non, ils n'ont pas la foi. C'est toi qui n'as pas foi. Vous voulez que je parle? Tu viens pour quoi? On dit on ne peut pas aller voir l'homme de Dieu les mêmes vies. C'est quoi cet évangile? Je veux te dire chrétien. Tous les disciples de Jésus-Christ sont des hommes et des femmes de Dieu. On acclame Jésus-Christ. Et Bimenetron, ça doit changer. Ça doit changer. Et Bimenetron. Et Bimenetron. Ça doit changer. Faut ça changer. Et Bimenetron. On finit l'enseignement. Les chrétiens font la queue pour acheter les CD du pasteur. Et plus autour de moi, il n'y a plus de pasteur avec moi où il y avait CD là. Promesse. Ah, c'est ça, ça. Jésus a dit, chassez les démons, guérissez les malades, prêchez la bonne nouvelle, vous avez reçu gratuitement, donnez. Vous achetez des Bibles, commerce. À Messie, Bible, la Bible, à ça. Concert payant, vous faites la queue pour payer pour aller adorer Dieu. Vous, ça, c'est la sorcellerie. Imagine, tu arrives au ciel. Tu arrives devant la porte du paradis. Et tu vois un ange qui est là. Il te pose la question. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Et tu réponds, je viens adorer Dieu. Et il te dit, c'est 50 000 francs. C'est possible ça? C'est possible ça? C'est possible ça? Alléluia! Qui est un peu troublé? Personne. Qui bénit Dieu pour la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Le pasteur devient ton père spirituel. Et ce père spirituel va voir le couple de Marie et d'Antoine. Et là, il y a quoi? Antoine veut son couteau et on me vient couple là. Et Marie est la secrétaire du pasteur. Et puis, nous, et Marie n'a jamais fait du bon poisson pour son mari. Non, nous, mais ce jour-là, le papa spirituel, le daddy, arrive à la maison. La femme s'est levée tôt le matin pour aller au marché acheter le meilleur poisson du monde. Elle prépare ça bien comme il faut. Son mari dit, chérie, j'aime bien prendre la tête. Non, ne touche pas. C'est pour mon daddy. Daddy, toi. On acclame le Seigneur. Vous avez compris le message. Mais c'est nous qui le dirons dans nos mains. Sorcellerie. Assez-vous-moi d'ailleurs. Parole des hommes. Amen. Pétons de ma union. Pourquoi vous n'avez que des femmes comme secrétaires? Pourtant, Jérémie avait un homme comme secrétaire. Pasteur, nous quittons nous, nous prenons le même moment où Jérémie, nous soignons le secrétaire. Un homme, nous prenons le même secrétaire.
y a des hommes qui ne voient plus leurs enfants, leurs femmes, à cause des églises. Lundi, programme. Mardi, programme. Mercredi, programme. Jeudi, programme. Vendredi, programme. Samedi, programme. Dimanche. Le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du pasteur. Il prend la liste des âmes. Frère Antoine, présent. Ah, merci Seigneur, la dîme est là. Sœur Marie, présent. Ah, Sœur Marie, le poisson est là. Frère Pierre. Non, frère Pierre a compris que c'est lui la maison de Dieu. Il est rebelle. Il ne faut plus le saluer. Il ne paye plus la dîme. Non, le frère Pierre a compris que Jésus est son vrai pasteur. Mais qui est ton pasteur? C'est moi? Enyéa? Non. Ah où? C'est qui? Mais Kayima? C'est qui? Qui est mort à la croix pour toi? Mais quel prêtre a donné sa vie pour toi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Qui est ton bishop? Ah mais quel bishop pour? Qui est ton apôtre? Mais qui n'a pas apôtre? Ton chéri? Jésus. Ton créateur? Oh non non. Ton amoureux? Jésus. Le chemin? Jésus. La vérité? Je vous dis une chose. On finit bientôt. Celui qui demeure dans la parole de Dieu, aucun démon ne peut le toucher. Tu n'as même pas besoin de te lever à minuit pour prier jusqu'à 3h du matin pour parler à la lune. Oh lune, oh soleil, libérez ma bénédiction. Comment ça se fait que le soleil te vole toi, enfant de Dieu? Où j'envoie le feu au village? Non, n'envoie pas le feu au village. Jésus est venu pour sauver. On t'insulte, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh le son, on te maudit, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh le profiter, nous payons là-haut. On va le feu. On a son zone là. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ça l'évangile. Tu vois un sorcier. Pourquoi c'est toi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le. On l'a topé. Il ne faut pas le fuir. C'est lui qui doit te fuir. Amen. Amen. Je dis, mon frère sorcier, que Dieu te garde. Si ton enfant a un problème, est-ce qu'il faut appeler un bishop? Quiconque invoquera sera Oladé. Et quel est son nom là? Je connais encore Jésus. Oh ma soeur, non, dis, non, nous. T'arrives à te marier? C'est normal. La dernière fois que tu as payé ta dîme, ça remonte à quand? Oh, ça fait 2 ans. Hein, c'est
il faut d'abord rembourser. Voilà ce qu'on vous enseigne. Ça va? Il est là. Pourquoi tu rigoles? Nous qui avons eu le pono. Ça va? Il est là. La parole de Dieu. Maounia maoundoué. Libère. Maoubenia dinagame. Elle est vraie. Elle sauve. Elle restaure. Si vous l'avez avec vous, si vous la respectez, peu importe les épreuves, que les hommes se lèvent contre vous ou pas, la parole finit par vaincre. Ils peuvent se dresser contre vous. Ils peuvent s'associer avec tous les démons contre vous. Ils ne pourront rien contre vous. Demeurez dans cette parole. Beaucoup de gens ne veulent plus de cette parole. Beaucoup de chrétiens n'en veulent plus. Ils préfèrent la parole des hommes. Ça leur fait du bien. Vous êtes dans la pornographie, repentez-vous. Dans la convoitise, tout le temps, repentez-vous. Dans le mensonge, repentez-vous. C'est le moment de venir au Seigneur. C'est le moment. Vous êtes dans la sorcellerie. Le Seigneur est venu pour vous sauver. Quittez le diable. Sortez de là. Vous êtes déçu des hommes. Ça peut arriver. Mais Dieu ne déçoit personne. Dieu m'a amené en enfer au moins 9 fois. J'ai vu des hommes comme vous et moi en train de brûler. Horrible.